on va aller à la parole de Dieu. On va aller à la parole de Dieu dans le psaume 103. Le psaume 103. On va lire à partir du verset 8 au verset 14. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne tient pas rigueur sans cesse, en d'autres mots. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière, on veut dire faiblesse. Amen. Seigneur, puisses-tu bénir ta parole en nos cœurs ce matin. Nous la révéler par la puissance de ton Saint-Esprit. Nous aider à la comprendre. Comprendre qui tu es, ton amour, ta compassion, ta miséricorde, ta grâce, ta bonté. Aide-nous à mieux te connaître. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors ici, nous avons un Dieu plein de miséricorde. Un Dieu miséricordieux. Il est bon, charitable, compatissant, sensible, généreux en grâce et en pardon. Tout cela parce qu'il nous aime. Son amour est immense envers nous. On ne peut pas, sur cette terre, jamais qu'on pourra comprendre tout l'amour de Dieu. Jamais. Le Seigneur est toujours prêt à répandre sa miséricorde sur tous ceux qui le cherchent. C'est pour ça qu'il faut arrêter des fois et dire, « Seigneur, moi, je veux te connaître. Je veux que tu viennes dans ma vie. » Je veux que tu changes tout cela. Vous savez, sans Dieu, on vit une vie de misérable. C'est misérable, mes amis. Mais avec Dieu, c'est la joie, le pardon, la paix dans l'âme, la consolation, le bonheur. On a tout avec le Seigneur. J'ai passé par là, j'ai goûté les deux, et je vais rester accroché au Seigneur. Moïse a reçu la révélation de l'immense miséricorde du Seigneur. Dans Exode 34, quand Dieu dit de tailler deux nouvelles tables de pierre parce que les premières avaient été brisées, on va lire à partir du verset 4. Je pourrais le lire au tableau, mais je vais le lire dans ma Bible. C'est plus vite que moi un peu, ça. Alors, 34, au verset 4. Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tient là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. » Dieu s'est révélé de cette façon-là à Moïse. Et Dieu peut se révéler et veut se révéler de cette façon-là à nous aujourd'hui.
Dans cette nuée de sa présence, l'Éternel révéla à Moïse sa nature. C'est la nature de Dieu, ce qu'il est vraiment. L'Ancien Testament nous montre que son peuple l'a abandonné à plusieurs reprises. Plusieurs, le mot est faible, hein? C'était continuellement. Il revenait, il abandonnait, il revenait, il abandonnait, il revenait. Tout au long de l'Ancien Testament, on voit ça. On va aller dans le livre de Néhémie. Néhémie. Je n'ai pas mis mon papier à bonne place. On va essayer de le trouver. Ou je vais le lire carrément au tableau. Néhémie, chapitre 9, verset 16. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil et raidirent leur cou. Hein, quand ils raidissent le cou, non, 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 non. C'est de l'entêtement. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Et au verset 17, ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leur cou et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Ça, c'est triste, mes amis. Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et tu ne les abandonneras pas. Et au verset 28, quand ils eurent du repos, ils recommencèrent à faire le mal devant toi. Alors, tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis, qui les dominèrent. Mais de nouveau, ils crièrent à toi. C'est ce qu'on a chanté ce matin. Et toi, tu les entendis du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu les délivreras maintes fois. Comment Dieu est bon envers nous. On vient de lire sa grande bonté, sa grande amour, sa grande miséricorde. C'est merveilleux ce que Dieu est. Et dans Joël 2, verset 12, « Maintenant encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. Déchirez vos cœurs, et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, et il se repent des maux qu'il envoie. Il se repent, il regrette. C'est une expression qui nous montre que Dieu n'a qu'un seul désir, abolir le jugement qu'il a fixé. Il ne désire pas ce jugement. Au contraire, il espère nous voir regretter sincèrement nos péchés et revenir à lui en implorant son pardon. C'est même qu'on revient au Seigneur. Dans Jérémie, chapitre 9, versets 23 et 24, ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se fortifie pas, ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Et c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Quelle
merveilleux passage, mes amis, sur l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, la compassion. Alors, lorsque nous péchons contre Dieu, contre sa parole, contre ses commandements, vol, adultère, mensonge, peu importe le péché commis, on se sent mal, honteux, indigne et coupable, et c'est normal. Le contraire n'est pas normal. Lorsqu'on est fier de faire du mal, on a un sérieux problème. Alors, ce qu'il faut faire, c'est de confesser nos péchés, de ne pas essayer d'excuser, de se justifier ou de cacher nos fautes, mais de les confesser, les avouer au Seigneur, s'en repentir et s'en détourner afin d'obtenir son généreux pardon. Et on va aller dans le psaume 32. C'est des psaumes que David a écrits, des psaumes, on pourrait dire, de repentance. Psaume 32. Regardez bien comment que David s'exprimait, sous l'inspiration du Saint-Esprit, bien entendu. Et c'est des psaumes qui sont là pour nous faire réfléchir. C'est des prières. C'est pour nous aider, nous, pauvres prêcheurs. Alors David, au psaume 32, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Il y a de la joie dans cela, il y a un bonheur. « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude, à être honnête avec soi-même et avec Dieu, mes amis. Tant que je me suis tu, tant qu'il n'a pas confessé, tant qu'il repoussait, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi, et ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tu as effacé la peine de mon péché. Dieu a effacé. Effacé, là, ça n'existe plus. Il n'a plus. Jamais je les remettrai sous le nez. Quand Dieu pardonne, mais l'ennemi, lui, non, il s'en rappelle, lui. Puis là, il vient nous accuser. Puis, mais il faut dire, Dieu m'a pardonné. Arrière. Faut pas, on ne discute pas avec Satan. On ne l'écoute pas. Arrière de moi. Va-t'en. On n'a pas de temps à perdre avec ça. Tu as effacé la peine de mon péché. Il faut le croire. Quand on lit ces passages-là, il faut les croire. Il faut les croire, il faut croire à la parole. Si Dieu dit qu'il l'a effacé, il l'a effacé. Alors, si Dieu m'a pardonné et effacé, alors il ne faut pas que ces péchés commis auparavant nous paralysent. Pendant des jours, des semaines, des mois, des années, il ne faut pas. Il ne faut pas. À l'idée que Dieu est en colère et furieux contre nous, ça, c'est l'ennemi qui veut faire ça. C'est son travail. C'est sa job, puis il l'a fait. Puis il l'a fait très bien. Nous ne devons pas garder ces sentiments de culpabilité et d'indignité dans nos cœurs. Jamais. C'est pardonné, c'est oublié, c'est effacé. Je n'ai pas de dette à payer non plus. Je ne dois pas dire, « Ô Seigneur, laisse-moi souffrir de cette culpabilité un peu plus longtemps. » Voyons. C'est... Le larron sur la croix n'a eu aucune dette à payer, mes amis. Il n'a pas payé rien, là.
Il a reçu et cru au pardon de Jésus. Il a accepté. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Alors, oui, heureux. Moi, j'ai de la joie, c'est cette joie-là que j'ai continuellement. Pas parce que je ne refais pas de péché, je ne refais pas de faute. Je n'en fais, mais je confesse. Puis je remercie le Seigneur pour son pardon. Mais quand j'en tire une leçon aussi, que je ne recommence pas s'arrêter. Dieu ne repousse jamais le cœur brisé et repentant. Jamais, jamais il va repousser cela. Dieu, Satan va venir nous voir et dire, « Ben là, tu as été bien trop méchant, là, t'as blasphémé contre l'Esprit de Dieu. Le péché impardonnable, t'as commis le péché impardonnable. Plus question. Là. Péché impardonnable, là. Jésus a même, quand il a parlé aux pharisiens, il n'a pas dit qu'il l'avait commis. Il a dit « changer de voix ». Avant de le commettre. Puis il est en train d'attribuer les œuvres de Satan à Jésus. Hey, exagérez pas, là. Le Seigneur a dit des limites, là. Puis tant que vous aurez le désir de vous repentir ou d'aller vers le Seigneur, c'est la preuve que vous n'avez jamais commis le péché contre le Saint-Esprit. C'est la preuve. Moi, le diable est venu me culpabiliser avec ça après d'être revenu au Seigneur. Mais j'ai étudié la parole, j'ai regardé, puis arrière de moi. Après ça, j'ai écouté un témoignage qu'un jeune homme donnait à la télévision. Puis lui aussi, Satan était venu l'accuser. « T'as commis le blasphème, tu ne seras jamais pardonné. » Le blasphème du Saint-Esprit, là. C'est refuser de se repentir jusque sur notre lit de mort. Puis mourir dans nos péchés. Dieu ne repose jamais le cœur brisé et repentant, qui est rempli de remords pour le péché et attristé par sa propre méchanceté. Hein, par ma faute. Oui, on est attristé. Oh, jamais j'aurais dû faire ça. Jamais j'aurais dû dire ça. Pourquoi j'ai fait ça? Lorsque notre être égoïste et fier est conduit jusqu'à l'humiliation et que nous crions à Dieu, on l'a chanté de crier à Dieu, pour obtenir sa grâce et son pardon, alors nous pouvons être sûrs et certains qu'il nous accueillera. Les bras ouverts. Dans Isaïe 57, verset 15, car ainsi parle le Dieu tout très haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié. Contrit, ça veut dire repentant et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère. Quand devant moi tombent en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faits. C'est clair en Bible. Il faut revenir au Seigneur. Tout le temps. C'est ce que le peuple de Dieu faisait. Psaume 107, verset 43. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. En d'autres mots, qu'il comprenne les actes bienveillants de l'Éternel. Il
faut comprendre. Dieu nous tend la main. C'est Dieu qui nous tend la main. Il veut nous aider, il veut nous bénir, il nous aime. Le roi David reçut une révélation du cœur de Dieu, compatissant et prompt au pardon. Dans le psaume 107, il est dit, on va aller en psaume 107, il est dit à quatre reprises, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Je ne sais pas si vous avez le cœur angoissé, mais eux, à chaque fois qu'ils avaient le cœur angoissé, ils criaient à Dieu et le Seigneur les délivrait. Ça, c'est le verset 6. Au verset 13, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Verset 19. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il les délivra de leur angoisse. Verset 28. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et délivra de leur angoisse. Verset 7. Il les conduisit par le droit chemin. Ils ont crié à l'Éternel, il les a délivrés, mais après ça, il va vous conduire dans le droit chemin. Verset 14. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort et rompit leurs liens. Dieu a brisé les liens, il a brisé les chaînes. Savez-vous pourquoi qu'on lève les mains? Parce que Dieu a brisé les chaînes. Moi, je les lève parce qu'il a brisé mes chaînes, parce qu'à un moment donné, ça ne levait pas. Ça ne levait pas plus haut qu'ici. À un moment donné, ça a cassé, ça. Dieu brise les chaînes. Au verset 19, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la fosse. Verset 29, il arrêta la tempête, ramena le calme. Et les ondes se turent, les eaux. De calme. À chaque fois qu'ils étaient dans l'angoisse, que Dieu les a délivrés, il y a une raison, puis il est écrit en bas de chaque. À chaque fois, David dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté. Sa bonté, c'est sa grande miséricorde, c'est son amour. C'est sa pitié qu'il y a envers nous. Chaque fois que le peuple de Dieu s'est tourné dans une impasse ou s'est trouvé dans une impasse, que des tempêtes ont fait rage et que la détresse a tendri leur cœur, parce que souvent c'est dans la misère qu'il faut en avoir pour crier à Dieu. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et les fit sortir de leur angoisse. De l'angoisse, il y a toutes sortes de raisons de n'avoir l'angoisse. Juste avant de passer en cours, juste se faire arrêter par la police, ceux qui vendent de la drogue, juste les têtes en haut qui menacent sans arrêter. C'est plein d'angoisse, si on veut. Là. Mais Dieu a tout délivré de ça. Dieu arrêta, calma la tempête et les flots se turent, se calmèrent, s'arrêtèrent. Merci Seigneur. Dieu ne peut rester insensible aux gémissements de ses enfants. Il est ému de compassion lorsqu'ils reviennent vers lui de tout leur cœur. Puis ça, on ne peut pas le jouer. Non, Dieu, il sait si on est vraiment sincère ou pas. On peut jouer avec les autres, mais pas avec Dieu. Leur faiblesse attendrit le cœur de Dieu. Il sait qu'on est faible. Il sait quelle nature on a.
il le sait trop bien. Mais cette faiblesse-là attendrit le cœur de Dieu. Sa miséricorde n'a pas de fin. Inutile de continuer à vivre dans l'angoisse et la culpabilité, mes amis. Inutile de nous précipiter chez un conseiller, parce que c'est à moi d'aujourd'hui, et d'appeler un ami ou d'autres personnes. Ce que le monde ne font plus, là, c'est d'aller au pied de la croix. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour son appui. Dieu maudit ça. Aujourd'hui, c'est juste ça. Non, il faut aller. Il faut aller au pied de la croix. Allons simplement vers le Seigneur. Simplement. Et crions à lui. C'est le cri là, qui manque. Là. Parce que chaque fois qu'ils ont crié à Dieu, on l'a même chanté de crier à Dieu ce matin. Là. Le cri. Savez-vous ce que j'ai été libéré, moi? En pleine église comme ça, avec autant de monde qu'il y a ici. Je l'ai regardé chanter, je l'ai regardé louer, je n'étais pas capable. Puis dans ma tête, je criais « Libère-moi, délivre-moi ». Je criais fort dans ma tête. Tout à coup, ça a sorti de ma bouche et hurlé dans l'église, devant tout le monde. « Seigneur, délivre-moi ». Je l'ai été. Je l'ai été. À l'instant même. C'est un Père plein de tendresse et attentif à nos moindres besoins, mes amis. 1 Pierre 2,25. Vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Puis c'est pas moi là, ici, ça parle pas de moi, là. Ça parle de Dieu. C'est lui le pasteur. C'est lui le gardien de vos âmes. David avait lui-même sombré dans le péché. Imaginez, David. Et pourtant, il aimait le Seigneur. Je n'ai jamais eu aucun doute dans mon esprit que David ne va pas aimer le Seigneur. J'ai toujours su qu'il aimait le Seigneur. Et il dut se sentir bien malheureux, mes amis. Bien malheureux après avoir commis un adultère et approuvé un meurtre. Imaginez cet homme de Dieu, là, rempli de l'esprit. Il ne pouvait pas continuer ainsi, jour après jour. Il ne pouvait pas, puis il dit dans des psaumes, il était tourmenté jour et nuit. C'est. Dieu plaidait, là. L'esprit qui est en lui est encore là, puis il plaidait, là. Il était tourmenté par le poids de la faute ou de la honte, de la culpabilité et de la crainte, parce qu'il avait, David craignait Dieu à travers tout cela. Puis regardez ça, je ne sais pas combien longtemps, mais il y a des psaumes qui racontent tout ce qu'il vivait. C'est pas croyable quand il dit. Comment ai-je pu faire une telle chose? Il ne s'est pas tapé dans les mains après, non. Comment ai-je pu faire une telle chose? Seigneur, viens à mon secours. C'est une question de vie ou mort. Il pouvait être tué à cause de cela. J'ai besoin de ton aide. Il a crié à Dieu. J'ai besoin de ton aide. Dieu, à travers son serviteur Nathan, Nathan le prophète, Dieu a envoyé un prophète, un homme de Dieu, parler à David. Tu as jeté le discrédit sur mon nom. Tu as sali mon nom. C'est ça que ça voulait dire. David avoua sa culpabilité. C'est certain qu'il a pleuré puis qu'il a eu des sanglots.
Et Nathan lui dit, « L'Éternel pardonne ton péché. » L'Éternel pardonne ton péché. Tu ne mourras point. 2 Samuel 2,13. J'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché. Si un tel péché a été pardonné à David, Dieu peut nous en pardonner plusieurs. Être pardonné est une chose, mais être libre et avoir la conscience en paix à l'égard du Seigneur en est un autre. Dans le psaume 51, verset 12, regardez à la suite de sa repentance, qu'est-ce que David dit? Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Il l'avait encore, mais il dit ne retire pas, ne me retire pas. Ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut. C'est sûr qu'il avait perdu la joie du salut. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Un esprit de bonne volonté me soutienne. Puis c'est toi, Seigneur, c'est toi, c'est toi. Il ne faut pas compter sur nos propres forces pour suivre le Seigneur, mes amis. C'est lui. Pierre a essayé ça, puis ça n'a pas fonctionné. Il a renié le Seigneur 3 fois. 3 fois plus profond. Savez-vous que quand on se donne au Seigneur, on l'accepte dans notre vie, on le rejette, on se repent, on revient, c'est pas facile de revenir. Quand vous le faites pour la 2e fois, Dieu vous a lavé, vous a redonné la joie, vous êtes heureux, vous faites peut-être 5 ans dans l'Église. Vous commettez une faute grave, vous retombez à pleine face, vous éloignez de Dieu, vous voulez revenir, c'est encore beaucoup plus difficile que la première fois. Puis des fois, ça va jusqu'à la 3e fois. Comme Pierre. Pierre, ça a été jusqu'à 3 fois dans sa vie, on peut dire. Combien ça a été dur de revenir encore. C'est encore plus dur. Plus dur. Toujours plus dur. Ça fait qu'il faut rester accroché au Seigneur, mes amis. Parce que c'est écrit dans la Bible, c'est bien écrit, que l'ennemi... Quand Dieu vient, il fait le ménage. L'ennemi est sorti, mais il revient avec cet homme. Puis la condition de cet homme-là est 7 fois pire que la première. Je l'ai vu dans ma vie, mais je l'ai vu dans la vie d'autres. Puis imaginez, il retombe encore. L'homme qui avait une légion, là, il avait fait pas mal. C'est pas tout écrit ce qu'il a fait, mais il avait fait pas mal pour avoir une légion en dedans de lui, là. On peut dire ici que tout au long du psaume 51, David se souvient de la patience de Dieu et de sa grande miséricorde. Peu importe l'importance de notre péché, nous sommes au service d'un Dieu qui ne songe qu'à nous pardonner et à nous guérir. L'ennemi de nos âmes veut nous maintenir sous la culpabilité, lui, la condamnation. Et il essaie de remplir nos cœurs de tristesse, nous faisant croire que nous sommes indignes
de rendre gloire à Dieu, ou même de reprendre la lecture de la parole de Dieu, ou de revenir aux réunions. Quel combat j'ai eu pour revenir dans les réunions, moi. Quel combat. J'étais comme pas capable. Puis là, l'ennemi me disait, « Tout le monde va te regarder avec des grands yeux. » Mais quand j'y retournais à l'église, tout le monde était heureux. T'es tout heureux de me voir. Ah! T'es tout content. C'est tout le contraire que l'ennemi me mettait un scénario épouvantable. Mais nous possédons un arbre puissant, mes amis. Criez! Criez comme David l'a fait de tout son cœur. Psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, et c'est encore un psaume de David, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, il le sauve de toutes ses détresses. Toutes. Verset 23. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment, à la ruine éternelle. Nous devons nous abandonner à la miséricorde du Seigneur et faisons appel à sa bonté. À sa bonté. À un moment donné, il y a une femme qui s'est présentée devant le Seigneur et dit, « Pitié de moi, Seigneur. Aie pitié, s'il vous plaît, aie pitié de moi. » Dieu a eu pitié d'elle. Elle n'allait même pas plaider pour elle, elle allait plaider pour sa fille, qui était possédée d'un démon. Et Dieu a donné. Elle a réclamé les miettes. Nous, on a tout le pain, mes amis. On a tout le pain au complet. Nous pouvons dire, Seigneur, je sais que tu m'aimes. Et ta parole affirme que tu es prêt à me pardonner. Alors oui, Seigneur, je reconnais mes transgressions. Parce que je sais que tu vas me pardonner. 1 Jean 2:1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. On essaie, mais misérable nature, Et si quelqu'un a péché, parce que Dieu sait, on va tomber. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. C'est ça qui est merveilleux, mes amis. Petits enfants, tous les membres de la famille de Dieu. Mais il savait de quoi nous sommes faits. Dieu sait de quoi nous sommes faits. On est fragile. On est faible. On est tremblant. Dieu sait que nous sommes faits de poussière. De poussière, mes amis. Et en cas de manquement, il y a un moyen de rétablir notre communion avec lui. Un avocat. Jésus vient immédiatement à nous afin de rétablir notre communion avec lui. En tant qu'avocat, le Seigneur cherche à nous faire confesser et abandonner notre péché aussi. Quand nous prenons un avocat pour notre défense, puis on va en cour, nous devons de lui dire la vérité, mes amis. Si vous mentez à votre avocat qui vous représente, là, vous avez un problème, puis lui aussi il va en avoir un. Mais il va venir vous voir, puis il va dire, « Pourquoi tu ne m'as pas parlé de ça? Pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? Voyons, je suis là pour te défendre, mais tu mens. »
Disons la vérité à notre avocat, mes amis. Jésus-Christ le juste. Il va user de miséricorde, il va user de compassion, il va user de bonté envers nous. Mais Jésus nous dit la vérité. Ça ne donne rien de se cacher. Chaque fois que j'ai pris un avocat pour me défendre des causes en cours, je disais la vérité. Mais on n'a pas toujours des bons avocats. Il y en a qui nous ont dit de mentir. Non, non. Je venais de revenir au Seigneur. Non, 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 non. Non, non. Je ne les achèterai pas. Je vais gagner ma cause, puis je vais dire la vérité. Puis j'ai gagné ma cause, puis j'ai dit la vérité. Puis j'ai dit merci, Seigneur. On va courber nos têtes. Précieux Jésus. Précieux Sauveur. Oui, Seigneur. Tu nous demandes de venir au pied de ta croix. Tu nous le demandes, Seigneur, parce que tu nous aimes. Tu es prêt à nous pardonner, nous laver, nous purifier, nous justifier. Tu nous connais. Dès notre enfance, tu nous connais. Tu nous as vu grandir. Tu as vu même notre amour que nous avions pour toi, Seigneur. Et tu nous as vus aussi s'éloigner de toi, te blasphémer, parler en mal, rire, te ridiculiser. Ô Seigneur, pardon. Tu le sais, tu as tout vu. Mais nous venons sur la base de ta miséricorde, sur la base de ta bonté, sur la base de ta compassion, sur la base de ton amour. Ton amour. Et cet amour, tu l'as prouvé en prenant notre place à la croix. Toi juste, mort pour les injustes. Précieux Jésus, merci. Merci de ton pardon. Ouvrez-lui votre cœur. Ouvrez-lui votre cœur ce matin. Et demandez pardon au Seigneur. Dites-lui. Dites-lui vos erreurs, vos fautes. Toute ma vie est une faillite. Pardon, Seigneur. Prends la directive de ma vie. Prends les cordeaux, Seigneur, et conduis-moi dans la voie de la vérité. Conduis-nous dans ton amour. Conduis nos vies, Seigneur. Pour certains, la vie n'est que ruine, n'est que misère, n'est que problème, n'est que difficulté. Prends tout, Seigneur. Prends tout ce matin. Prends ma vie. Prends la vie de ceux qui crient à toi. Prends cette vie. Tu le dis dans ta parole que tu vas revenir et que tu vas les pardonner. Tu vas effacer. Effacer la peine du péché, Seigneur, comme tu as fait pour David. Tu as effacé, il a retrouvé la joie de son salut. Merveilleux Sauveur, merveilleux Seigneur. Sinon, ils ont besoin de prière, peut-être pour la guérison, parce que des fois, c'est un manque de pardon ou avec Dieu qu'on empêche de nous guérir. C'est pas tout le temps ça, mais ça peut arriver. Alors, le Seigneur nous conduit, nous guide. Alors, pendant que...